Alors, heureux de vous retrouver, les amis. J'espère que vous allez bien. On est toujours le 14 octobre 2020. 23h50, heure du Québec. On est en forme. Ce soir, on veille un petit peu. Ça nous donne la chance d'aller voir le roi le plus riche du monde, sa mystérieuse fortune et les manifestants qui veulent des réponses. On le voit ici. Le roi de la Thaïlande, Maha Vajiralongkorn, est transporté sur un palanquin lors de son couronnement à Bangkok en 2019. Le troisième mariage du prince héritier de Thaïlande a fait la une des journaux sinistres. La princesse a été dépouillée de ses titres, ses parents et ses frères emprisonnés pour de vagues allégations de corruption, son oncle expulsé de son poste de police principale. Ensuite, l'héritier du trône a dû finaliser un règlement de divorce. Ça nous vient du LA Times, sous la plume de Shashank Bagali, le 13 octobre 2020. Ça a été publié hier. Heureusement pour le prince, il a eu accès à l'une des plus grandes fortunes royales du monde, une société holding secrète chargée de participation dans des sociétés thaïlandaises de premier ordre et de terres de premier ordre au cœur de Bangkok. La société a couvert le paiement, soit près de 6 millions de dollars. Deux ans plus tard, en 2016, le prince est monté sur le trône. L'un des premiers actes majeurs du roi a été de transférer tous les avoirs de la vaste société connue sous le nom de Crown Property Bureau à sa propriété personnelle, lui donnant le contrôle de plus de richesses que les richesses déclarées du roi saoudien, le sultan de Brunei et la famille royale britannique réunies. Ses actifs, évalués de manière prudente à 70 milliards de dollars, sont maintenant au centre d'un mouvement pro-démocratie qui réclame une plus grande transparence dans les finances de la monarchie et des limites à ses pouvoirs étendus. Wow! En outre, des étudiants de l'université Thammasat ont demandé au roi de restaurer les actifs sous le contrôle du Crown Property Bureau et de les placer sous la surveillance du gouvernement, un acte de défi surprenant dans un pays où une loi stricte sur les insultes royales a traditionnellement réduit au silence les critiques de la monarchie. Wow! Des étudiants lèvent un salut à trois doigts lors d'une manifestation à la faveur de la démocratie à l'université Thammasat, près de Bangkok. En outre, le salut a été emprunté au film hollywoodien The Hunger Games. Certains manifestants ont également appelé au boycott de la Siam Commercial Bank, dans laquelle le roi détient une participation de près de 24 %. Les craintes d'une ruée sur les dépôts ont incité un directeur de la Banque centrale thaïlandaise à rassurer les investisseurs sur le fait qu'il y avait suffisamment de liquidités dans les institutions financières du pays. Lorsque les manifestants parlent de la monarchie en tant qu'institution, le CPB est au cœur, a déclaré Pangak Sawadispakdi, professeur à l'université de Thammasat et doctorant en relations internationales. L'une des principales choses auxquelles les gens pensent est de savoir comment la monarchie peut accumuler une richesse aussi élevée, et nous n'en savons vraiment rien. Des questions sur les dépenses d'un monarque distant qui vit en Allemagne et dont le style de vie coûteux contraste avec les histoires de son père économe ont émergé alors que l'économie thaïlandaise se remet de la pandémie de la COVID-19 qui a suivi des années de croissance tiède sous une direction militaire, gouvernement étroitement lié à la monarchie. Vraiment, hein? Wow! Formé dans un pensionnat en Grande-Bretagne et dans une académie militaire en Australie, le monarque de 68 ans est marié à sa quatrième épouse et passe presque tout son temps en Allemagne, souvent en compagnie d'une petite amie connue sous le nom de consort royal et une suite de préposés et de sécurité, mais de cette distance, il a joué un rôle plus affirmé dans la politique thaïlandaise, a placé deux unités militaires sous son commandement et a chargé la loi pour se permettre de régner à partir de l'étranger. Wow! En juillet 2017, 9 mois après son accession au trône, une loi adoptée par le Parlement, dominée par l'armée, plaçait les actifs du Crown Royal Property Bureau sous la discrétion de Sa Majesté, mettant fin à l'arrangement précédent selon lequel le monarque pouvait dépenser les revenus du bureau à volonté, mais a laissé les décisions d'achat et de vente au conseil d'administration. Le roi a destitué le ministre des Finances et le directeur général de longue date du bureau du conseil d'administration et a installé son secrétaire privé, un homme de 69 ans, sans expérience en finance ou en économie, en tant que président et
plusieurs autres fidèles en tant que membres. L'hypothèse doit être que le monarque est désormais le principal décideur, a déclaré Tom Felix, écrivain et économiste basé à Bangkok. Les actifs sont désormais soumis à l'impôt pour la première fois, mais peu de choses ont changé au sujet du portefeuille. Le roi a conservé les participations dans la société et a généralement poursuivi son approche conservatrice des terres. Wow, vraiment? Toute une histoire, hein? Toute une histoire. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, les amis. Vous irez lire ce conte d'horreur. Le roi le plus riche du monde, sa mystérieuse fortune, et les manifestants qui veulent des réponses.